Nous sommes au quartier général de l'Union africaine de radiodiffusion, situé à Yaoundé, au lieu-dit Messa Mendongo. Bienvenue dans ce quatrième numéro de The Spotlight, la vitrine sur la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Energy 2021. Dans ce numéro, nous allons aller du côté de la Guinée pour découvrir le pagne appelé Indigo. Ensuite, nous irons à Bafoussam pour découvrir l'Ouvre, un établissement hôtelier. Et enfin, quelques réactions autour de la première rencontre entre le Cameroun et le Burkina Faso en match d'ouverture. Ne bougez surtout pas, on se retrouve juste après cette transition. Le Cameroun a réussi à venir à bout des étalons du Burkina Faso en match d'ouverture. Quelles sont les réactions d'après-match? Suivons ce reportage. Je suis un peu déçu par le jeu des Lions. Je n'ai pas été convaincu par la qualité du jeu. Je pense qu'on doit se méfier, on doit être prudent de toutes les façons. Je pense aussi que je suis venu avec des enfants au stade, des centres de formation. Je m'attendais à ce qu'ils produisent un jeu attrayant, un jeu qui permettra que les enfants puissent apprendre quelque chose. Mais je n'ai pas été, j'ai pas été content. Non, c'était splendide, la victoire de Lyon était splendide. En fait, c'était imprévu, vous voyez. D'un abord, c'était prévu et c'était aussi... C'est vraiment... C'est Aboubakar. C'est Choupo-Moting d'abord. Bon, d'abord, c'est mon idole. Je l'aime bien. C'est vrai qu'il est entré à la fin, mais il a donné le beau qu'il pouvait. Le match n'était pas très... Je n'ai pas apprécié le match. La qualité du jeu de Lyon Indoctable n'était pas vraiment à la hauteur, comme on a souvent l'habitude de les voir jouer. Par contre, le deuxième match qui se joue tout à l'heure, vraiment, les gars sont tactiques. En fait, c'était ma première fois d'assister... Un match de football face à face, quoi. Retour sur ce plateau de The Spotlight. En Guinée, les femmes sont des spécialistes dans la fabrication des tissus appelés indigo. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. D'ailleurs, le Fitsi a une particularité dans sa fabrication. Je vous invite à regarder ce reportage. Je vous présente Fitsi, l'indigo traditionnel de Guinée. Il fait partie des textiles guinéens les plus portés et est utilisé dans toutes ses formes. On le retrouve également en plusieurs motifs et couleurs. D'abord, c'est quoi l'indigo? L'indigo est un arbuste au feuillage caduc, dont les feuilles sont panées, alternes avec les folioles. Cultivées notamment dans les régions chaudes, les feuilles sont utilisées pour la préparation de la teinture d'indigo. Ses propriétés des plantes tinctoriales offrant un bleu d'indigo. La spécialité de cette activité de teinture en